Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, on se retrouve pour l'épisode 24 de Pokémon Let's Go Evoli et Pikachu, et oui, on se retrouve avec Galio. Eh oui, salut Pyrux, ça va? Salut, ça va? Ouais, bah, moi ça va, on va dire que je survis, hein, comme tu peux l'entendre, ouais. je survis, mais par contre, ce qui va très bien chez moi, c'est que ma team a changé, je t'en ai parlé il y a deux secondes, mais pour eux, ils le savent pas parce qu'il y a eu un choix qui s'est fait dans l'épisode précédent de mon côté. Ouais. Ammonistar fait partie de la team. À la place de Loclas, ils ont préféré Ammonistar, je sais pas, parce que c'est son côté, tu vois, je sais pas, petit fou, je sais pas. Par contre, j'ai pas de surnom, donc on va faire un truc simple, comme il me l'a proposé Galio, c'est très bien. On va, je vais faire un sondage, je sais pas si je peux faire un sondage de ça, mais je crois pas, hein. Je crois que je vais plutôt vous dire d'écrire dans les commentaires. Ouais, c'est mieux. Ouais, le nom de, pour Ammonistar, voilà, un truc, soit de manga, si vous avez un truc vraiment stylé, soit peu importe, mais un truc qui peut cogner. Voilà, voilà, tout simplement de mon côté. Et toi, Et moi, alors, non, je ne l'ai pas capturé, mais attends, ça, on va en reparler. Du coup, Crustabri n'a pas de surnom non plus, donc n'hésitez pas à laisser aussi dans les commentaires un petit surnom pour Crustabri. Et je choisirai également. T'as Crustabri, toi. Ah, ouais, t'as aussi un Shell Smash, du coup. Et possible. Ouais. Il a Shell Smash ou pas encore? Non, il a pas. Je sais pas, peut-être avec les Kikers, il pourra l'apprendre, peut-être. Je sais pas trop. Mais il a avec la glace, laser glace, surf. Et bon, gros yeux, ça c'est pas grave. Alors, Articodin, tu as fait quoi du coup? Parce que moi je l'ai pas capturé. Alors, moi je suis allé le voir, j'ai fait coucou. Ouais. C'est tout. C'est tout aussi. J'ai vu que t'as fait quelque chose quand même, toi. Bah, j'ai essayé de le reset. Ah là, le gars. Alors, moi j'ai fait rencontre. Oh merde, j'ai gigoté. Putain, c'est bon, Evoli. J'ai gigoté. Mais ouais, voilà, j'ai. Mais bon, c'est une chance sur 4096, donc. Mais même avec le parfum et tout. Bah, en fait, le parfum. Parce comment... que vu qu'il bouge pas, c'est parfait. Ouais, c'est mais parfait, je reset à chaque fois. Ouais. Ouais, mais je suis pas sûr que ça augmente d'abord beaucoup. D'abord, tu mets le parfum, tu saves et ensuite tu fais les resets. Ouais, après, mais ça augmente beaucoup. Je pense pas. Mais bon, après, effectivement, voilà, c'était un petit peu. Faut être chatteux quand même. Voilà. Bon, on va sur. On va dans le manoir. On va dans le manoir. Hein. Allez, alors, c'est parti. Parce qu'il a l'air beau avec ça, vraiment. Ah, la musique, par contre. Oh là, tous les Pokémon, gros Tanmorph, mais what? Autant. moi, c'est Smogo, ça. Attends, je vais le capturer. Il y a des trous, moi, il y a des trous. Ah non, on peut pas aller dans les trous. Alors. Shiny, ça me dirait bien. J'ai regardé la piste. Je crois que ça dit à tout le monde. Et mince. Je pense, ouais. Ah, mais toi, t'es sacrément du bol. Hein. Ah, j'ai vu des retours de mecs. Enfin, abonnés, quoi. Putain, mais Pyrux, le pauvre. Je fais, bah les gars. Voilà, c'est bien pour lui, c'est bon. Après, c'est vrai que le salamèche, ça me fait un peu chier, mais bon. C'est la vie. Mais t'as dit que tu le ferais. Mais je le ferai de mon côté, ouais. Voilà. Je sais que je vais avoir 3 Rattata et puis. Non, y'a pas de Rattata dans la grotte. Ah non, mais ça dépend où tu chasses, c'est vrai. Oui. Ça dépend où tu chasses. Ah ouais, je vais éviter, donc j'aurai 3 Gravalanches et. Voilà. On verra. Ok, bon, j'ai capturé Grotan Morve. Ok, moi j'ai fait le tour. Y'a des Rattata. Est-ce qu'il y a encore les trucs qu'on peut pas. Ah, y'a Magmar. Y'a Magmar. Ouais, mais toi tu l'as, toi, Magmar aussi? Je l'ai pas vu encore. Parce qu'à l'époque, il me semblait qu'il y avait une version Magma, une version avec. Non, mais je suis pas sûr. Là, cette version, je suis pas sûr que ce soit ça. Ah merde, j'ai cliqué sur les interrupteurs là. Je sais pas ce que ça fait. Tu sais, fallait cliquer des fois sur les interrupteurs. Ouais, pour. Voilà, bon, il te pose pas la question oui ou non. Il te dit juste. Enfin, ça fait genre un petit repousse. Ça fait genre. Ouais. Quelque chose a été bougé. Ah ouais, Magmar, il est là. Non, je l'ai du coup. Ah, super. Attends, moi, je vais capturer. Parce que si je fais un combo de un Magmar, il y a moyen qu'il y a plus de Magmar et après on peut s'arranger. Ah ouais, mais il est chaud. Bah ouais, c'est un peu comme type feu aussi. Hein. Allez, Pokéball, tu rentres. Du premier coup. Oh, t'as de moi. Voilà, mon bébé. Ça change du Galopa. Galopa? Le Galopa qui t'a galéré. Ah oui, celui-là. Qui était sorti, qui t'a enfui. Alors lui, non mais j'ai aussi, tu sais, dans là, les idées cubes là. Il y avait plein de Pokémon, genre l'aventure. Ah ouais, c'était trop bien, tous les Pokémon. Là, il y avait un Tentacruel, enfin voilà, qui me surprenait, comme ça. J'ai essayé de le choper, mec. Bah alors. C'est trop dur. C'est impossible. Pokéball, j'ai fait au moins 10 Pokéball. Hein. Il est bon. Pour moi, il est resté, hein. Il est gentil. Mais... Ouais. Mais voilà. Alors attends, il y a plein de documents par terre. Oh, encore un Magmar. Oh, il m'a sauté dessus. Ah, il m'agresse le Magmar. Oh, j'aime bien. Ah, petit vilain. Chaleur. Oh, il court. Ouais, t'as vu? Il est derrière toi. Mais oui. C'est le genre de Pokémon en fait qui sont attirés par toi, genre c'est comme le Ronflex au final. Oh les gars, j'enchaîne les Magmar à la Pokéball. Qu'est-ce qu'il se passe? Et s'il y a un Shiny dans cet épisode, je dédicace à toute ma famille. Et je regarde la buse. Le gars, il est complètement dans la buse. Mais pourquoi on peut pas parler au papier d'habitude si on pouvait lire le. Mais c'est parce que c'est pas cela, les papiers. Il y a des papiers précis. Ah d'accord, parce que là il y avait un bouquin quand même. Merde, sur une table. Ah, c'est Rattata. Il est Rattata ici.
Si tu veux chasser le magma, ils sont niveau 47. Ce que tu vas avoir. Hein. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Si je chasse magma, Ah, magma, il est. Ok, bon là, y'a rien. Je pense qu'il va falloir aller à l'étage. Hein. Prendre les. Ouais, moi je suis monté. J'ai juste cliqué une fois sur un truc, mais je sais pas ce que ça fait. Ah, y'a une Pokéball là. Ouais, pareil, j'ai appuyé aussi sur l'interrupteur. Ah, y'a. Ah, bah tiens, tu parlais de Galopin. Il est dedans? Non, y'a un mec qui l'a. Ah, d'accord. Je suis tombé sur un pillard qui s'appelle ça comme ça. Oh, ah, oh oui. Comme il bouge avec ses petites tentacules. On peut l'appeler Entai, les gars. Entai, c'est pas mal. Ah, je sais pas si ça passe. Je sais pas du tout si ça passe. Ouais, je pense, peut-être. Ah, Entai-sama. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, voilà. Je vous donne une... On verra ce qu'ils ont remis dans le commentaire. Ah oui, c'est lui. Ah, c'est ce voleur qui en profite parce que le manoir est laissé à l'abandon. C'est de l'urbex, ça. C'est de l'exploration urbaine, hein. Bah d'ailleurs, bah justement, t'aimes bien ça, non? Eh ouais. Attends. Voilà. Ah, j'ai entendu les flics. Pardon. Avec le pillard. Ouais, en fait, ils viennent me chercher là. Oh, d'ailleurs, j'ai récupéré dans le casino, enfin, tu sais, au sous-sol, là, la planque. Et ben, j'ai récupéré la tenue de la roquette. Je sais pas si j'avais pas appuyé sur. J'avais pas parlé à la jeune femme. Et du coup, maintenant, ouais, je suis habillé comme une Team Rocket. Ok, bah, moi, je l'avais pris depuis le début. Et ouais, moi, j'ai cru que c'était un combat, donc je l'avais pas fait. Ah, ouais, t'avais évité, petit mal. Hein. Ouais, mais en plus, ils n'ont regardé même pas. Je trouve ça trop stylé. Waouh. Et ouais. Et ah, mais le manoir est trop beau et trop bien fait avec les colonnes là qui sont un peu abîmées. Je trouve ça trop bien. Ah, il va sauter dessus. J'adore. Magma est trop bien fait. J'aime bien son côté sauvage, on va dire. Petit fourbe que tu es. On fait 3 excellents sur 3, les gars. Est-ce qu'on va faire un triplé Magmar Pokéball? Non, il a fui. Non, il a pas fui. Mais... Il a fui? Ah non, il est sorti. Non, ah, voilà le bouquin. J'ai 14 hyperboles, on va essayer de les capturer quand même. Okay. Alors attends, j'ai trouvé un bouquin. Rapport du 5 juillet, Jungle X. Une nouvelle espèce de Pokémon a été découverte au fin fond de la jungle. Mais qui est ce Pokémon? On se demande bien, hein. Ouais. L'aurais-tu pas dans ton équipe par hasard? Non. Tu ne l'as plus, c'est vrai. Je l'ai plus. Ouais, ils m'ont fait un... Comment on appelle ça? Quand on est contre le président et que tu veux faire un... Comment on appelle ça? Un traité, pas un traité. Non, une. Une pétition. En fait, une pétition. Pour enlever Galdus parce qu'il est trop fort. En même temps, ouais, trop fort. Ah là, par contre, ça rentre pas du tout, même pas à l'hyperbole. Hein. Allez, Magmar, je t'en fais 3 comme ça, il y a moyen que tu. Voilà. Oh, il y a une échelle qui est dans le vide. Bizarre. J'ai entendu dire qu'on pouvait avoir dans le jeu, let's go, des Pokémon qui sont issus de la première génération, mais même s'ils évoluent en 4G, on peut les avoir dans le jeu. Par exemple, Maganon et les câbles, on pourrait les avoir. Mais non. Il me semble. Mais qui c'est qui dit ça? C'est les abonnés, beaucoup d'abonnés m'ont dit ça. Ouais, c'est ça. Alors, rapport du 10 juillet. Voilà, c'est ça, tous. J'ai baptisé ce Pokémon Mew. Mais d'accord, c'est tout. Mais tu parles d'où tu... Ah, mais c'est je ça, parle au mur. Non, mais c'est tu parles au mur. Ah oui, ok, celui-là. Tout est cassé, bien. Abandonné. Oh, j'adore ce. Il y a plein de trous, effectivement. Ouais. Et donc, toi, t'as Smogo à la place de Tadmorb, hein, c'est ça? Ouais, j'ai des Smogo. Ouais. Ok. Ah, toi, t'as Tadmorb? J'ai Tadmorb, ouais, j'ai pas de Smogo. Bon, les gars, on va quand même mettre des petits parfums, on sait jamais. On sait jamais avec un peu de chance. Rapport du 6 février. Mew a donné naissance à un autre Pokémon. Nous l'avons baptisé Mewtwo. Zut. C'est tellement. Du coup, tu peux trouver Smogogo, je pense. Il y a Smogogo, ouais. Il y a, ok. Ah, là, il y a une. Oh! J'espère que c'est elle qui va te donner. Oh, j'espère que c'est elle. C'est une coach. Peut-être qu'elle va me donner Sludge Bomb. Ah, ouais. Ou Direct Toxic. Ah, ouais. Non, Direct Toxic, je l'ai dit. Ah, tu l'as eu où? Il faut surfer. Tu sais, c'est le Dapple, il faut surfer. Il y a un petit endroit, il y a un mec. C'est vrai, c'est vrai. Bah, elle est où la coach? À l'étage encore plus haut ou pas? Bah, non, c'est au même étage. Ah, je l'ai pas vu. Moi j'ai vu ton comment ça s'appelle. Attends, j'avais capturé le Caravanche, mais c'est un méchant. Bah je suis resté à l'étage, je suis allé à gauche. Et bien la coach. Ah ok. Toujours au premier étage. Ok, bah je vais y aller. Après j'ai pas cliqué encore sur les trucs où je clique. Enfin pour l'instant y a pas besoin mais. Oh. Ah Tropiqueur. Normalement la coach en séisme. Oh, il résiste avec ses tentacules. Ah là, il est fort, hein. Il one shot, hein. Ah là, j'aime bien.
C'est vrai que Loclas, mon petit Toshiro, il était un petit peu faiblard à ce niveau-là, j'avoue. Mais tu l'as eu comment, Loclas? Je l'ai eu à Tour de Safrania, là, la Team Rocket. D'ailleurs, je crois que dans la même tour, il y a Porygon, mais bon, je suis juste allé chercher Loclas. Tu sais, à l'époque, on pouvait choper Loclas. Dans la tour. Enfin, y a un mec qui nous... Ah, t'es retourné après? Ouais, ouais. Ah, et c'est après qu'on l'a? Bah, je pense qu'on peut l'avoir pendant aussi, c'est juste qu'on on l'a pas parlé à tout le monde. C'était genre au 6ème étage, tu vois, un mec. Ah, d'accord. C'était impossible de deviner à moins de parler à tout le monde, quoi, tu vois. Ouais, ouais. D'accord. T'aurais pas pu deviner, quoi. Après, nous, c'est vrai, on assume, on n'a pas parlé à tout le monde. Mais attends, mais on l'a fait en solo, ça? Ou en duo, ouais, je sais plus. Ouais, ouais, en solo. En solo? On a fait. En solo. En duo, on l'a fait juste au début, mais après, les autres étages, on a fait. Moi, j'ai fait un peu au bol, tu vois, je prenais téléporteur, j'allais n'importe où. Ouais. Toi, j'ai fait 20 minutes dans les téléporteurs, après j'ai fait bon les gars, je connais le chemin maintenant, on va voir Joe, c'est bon. Joe qui était c'est pas si compliqué. C'est quoi tes niveaux? Niveau 60. Le meilleur c'est 51 et après là c'est Crustabri 46. Je suis en train de monter. Ah oui, Crustabri tu l'avais. Mais du coup quand tu l'as envoyé. Ouais. Il a gardé ses PC d'origine? Non, il change. OK. En fait, c'est les PC dans la tour. Il était niveau... Ah mais t'es niveau bas, c'était un coquillasse. Ouais, c'était un coquillasse. Putain, je sais même plus le niveau qu'il était. Ouais, peut-être 30, je sais plus. Ok. 30, après je l'ai entraîné. Ah non, c'est éboulement. Bon, c'est bien aussi, mais... Mais il se joue SP ton... ton... Amonistar. Oui, il se joue SP, ouais. Ah d'accord. C'est toi qui es physique. Enfin toi, Kabuto. Ah oui, ouais. Oui. D'accord. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il a pu jouer aussi Kabuto, parce qu'il a plus d'attaque physique. En première, roche. Ouais. Peut-être. Ah oui, en roche, ouais, c'est ça. Après, je t'avoue que. Ah, j'avoue. Mais elle est où cette quoi? À côté du pillard? Toi le pillard, tu tombes, ouais. T'es galopas. Ouais. Mais non, attends, j'ai pas moi ça. T'as qui? J'ai pas ce galopas. T'as qui à la place de galopas? Ah si, tricherie. En combat, tu veux. Il y a tricherie. En combat, ah oui. D'accord. Si, oui, il y a en combat, avait... pillard, oui, en combat avait... galopas. Bah, en fait, à l'opposé, donc c'est-à-dire que tu montes. Ouais. Tu montes dans les étages. Bah. Ah, peut-être que t'as. Que moi, j'ai... Ah, mais moi, y a j'ai une cliqué. Porte. J'ai cliqué. Au rez-de-chaussée, j'avais cliqué comme ça. Mais j'ai cliqué, mais je crois qu'après, j'ai réappuyé. Ah, là, moi, j'ai cliqué une fois. J'ai fait, bon, je crois que ça a bougé. Et puis, effectivement, peut-être c'est ça. Et là, il y avait la coach. Ah, avec d'accord, ok. Là, du coup, je suis à l'étage de cet endroit-là. Il y avait encore un escalier. Et là, du coup, je vais cliquer. Oh là là, Magmar, c'est bon là! Ouais! C'est bon là, j'en ai capturé 3. On peut pas avoir Magalan parce que. Ah voilà, c'est ouvert. Ok, c'est bon. Oh punaise! Les gars, regardez-moi ça! C'est un Rattata nain! Il est tout petit! T'es sûr? Oh, c'est un Rattata, je veux dire. Rattata tout petit, il a la taille d'un Rattata! Mais what the fuck? Ah non, il a grossi! Ok, il popait. Oh là là! Ah voilà, c'est ce que j'allais dire! Parce qu'en fait, j'ai cliqué sur l'interrupteur. Ouais. Et ça bloquait en fait. Et oui. J'ai l'impression que le Rattata était minuscule! Je sais pas ce truc! En fait, il a grossi. Ouais, c'est le problème. Ouais, moi, ça me l'a déjà fait. C'est surprenant. J'ai bugué là. Mais du coup, là, je m'en rappelle plus. Il fallait qu'on saute dans le vide ou pas? Je m'en rappelle plus. À un moment, oui. Mais là, j'ai vu une échelle en fait. Oh merde, il est mort lui. Attends, il est mort. J'ai vu une échelle dans le vide au premier étage. Donc j'imagine qu'en tombant après on remonte. Je sais pas en fait. Ou on doit tomber, je sais pas. Elle a donné quoi du coup la coach? Éboulement quand même, bon c'est quand même pas mal. Mais... Ah oui. Tu sais pour le VGC, hein, MDR. Et là on bomber lui. Ah c'est lui. Hein. Non c'est un scientifique, il sert à rien. C'est Earthquake. C'est où qu'on a, on a séisme. Séisme? Oh, ouais, Redictor, je pense que c'est la ligue. Ouais ouais, la Redictor. Peut-être, ça me semblerait logique. Ouais. Go, go, go. Go, go, go. Là, je suis sur un scientifique. Tu sais, je suis. Tu te rappelles du trou qu'il y avait? Enfin, il y a un moment, il y a un trou. Oui. On parlait dedans. Bah, je suis devant ce truc. Mais je me rappelle plus s'il fallait qu'on aille dans ce trou. En fait. Pour tomber en bas et du coup, c'était où il y avait la clé là, mais je sais plus. Ouais, il n'y a pas deux trous. Ah oui, il y avait deux. Voilà, et c'était le plus loin. Ouais. C'était le plus loin, il me semble. C'est plus loin? Il me semble. Je sais qu'il y avait deux endroits de trous. Enfin, il y avait un trou, ça nous amenait quelque part, et l'autre trou, c'était un autre part. Et le dernier, il nous amène au sous-sol vraiment, et à la sortie, en fait, on sortait par derrière, un truc du style. Ah ouais, bah, je vais tenter de prendre un de ces trous. Tu me dis quel est le plus loin?
Moi je pense que c'est... Je sais pas, bah tente celui que tu veux. Celui qui te l'inspire okay. le plus. Dans quel très trou bien. Veux-tu te rendre? Très très bien. Merci pour cette initiative. Tartare. Je vais voir, je vais voir ça. Tartare. Ah ouais, du coup toi t'es... Bah Tartare. Je fais la coach avant. Quoi. C'est la coach. Ah oui, t'es la coach, ouais. Bah du coup t'as ouvert, t'as rien en bas, t'as ouvert. Ok. Et en fait, pas... en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de retourner en bas. Moi j'ai juste appuyé sur l'interrupteur du haut. Ah. Et ça a ouvert la porte. Ça... Voilà, ouais. Je pense. En fait, je pense okay. qu'il y a un truc, ça ouvre un, et un autre truc. Enfin, il y a on et off si tu veux, et. Ok, je vois. En gros, que t'appuies en haut ou en bas, c'est... ça va basculer sur l'autre. Ok. Donc, t'es pas obligé bah, de ça. Donc là, c'est bon, je vais prendre les escaliers. Comme toi, à côté de la coach. Ouais, c'est ça. Et là, il voilà, y a un autre étage, il y a tout plein de trucs. Voilà, parce attends, que moi, j'ai pas pris ces escaliers-là la première fois, j'en ai pris d'autres. Ah, ok. Donc, et j'ai fait un pillard aussi, j'ai raffronté un pillard. Ah, ok. Je vois. Tu vois. Je vois tout à fait. Donc le trou, tu m'as dit à celui-là. Ah non, il y a qu'un seul trou, je crois, dans celui-là. Ah, il y en a qu'un. Qu'un seul, ok. Ah ouais. Il y a aussi un escalier qui descend. Attends, je vois l'escalier qui descend. On n'avait pas des métamorphes à la fin du manoir? Enfin, dans Rocheur Feuille, je me rappelle, il me semble qu'il y avait ça. Il y avait. Il y avait. Vers la. Il me semble qu'il y avait des métamorphes. Ton dernier étage, là, ouais. Ouais. L'étage de l'ensoleil et tout là, où il y avait... Ouais, oh punaise, vite. Attends, je vais descendre, on va voir ce qu'il y a là. Mais non, il va là, il y a Sludge Bomb à tous les coups. Moi, je vous le dis. Ah, c'est un coach ou c'est qui, lui? Encore? Non. Je sais pas. Ah non, il est venu m'affronter, merde, c'est pas un coach. C'est un top dresseur. Oh non, ouais, je crois. Ah oui, bah oui, là, en fait, le trou, c'est l'échelle. Ah, t'es allé dans le trou, là? Bah, il y a une échelle, c'est ça? Non, il y a un trou sans échelle. Ah, mais le trou avec échelle, tu l'as pris? Non, on peut pas aller dedans. Ah bon? Enfin, j'ai pas tenté. Mais... Bah là, j'ai pas non, le scientifique qui a Smogogo. Enfin, ah, c'est pas le même alors, t'es pas au même endroit. Oh, étrange ça. Attends, t'es monté. Si, parce que t'as fait la. Mais après, si, il y a, c'est grand après, c'est pour ça. Ou peut-être que toi, il avait gros tas de morphes et moi, Smogogo, non? Ah, il avait gros tas de morphes en premier, le tien? Non, moi, c'est là, bizarre. Il a Smogogo. Non, moi aussi là. Ah, mais t'es devant un scientifique. Oui. Okay. Bah y'a pas l'échelle là, y'a pas d'échelle. Si, y'a une échelle juste à côté, qui mène vers le vide. Oh le coup critique. ok. Moi j'ai du mal à observer. Bon, en gros je suis allé à droite, tu vois y'a le trou là, bah je suis allé à droite. Parce qu'il y a un vrai escalier qui descend. Donc, je voulais voir si c'était là qu'il y avait... peut-être, possiblement... Sludge Bomb, parce que moi ça m'intéresse. Peut-être que c'est au dernier étage. Hein. Tu sais l'étage vaste là, avec les... Ouais, ouais, là y avait tout là. Colossinge, c'est que chez toi que tu l'as. Hein. Faut arriver là. Ah, Ferrosinge, c'est ça? Ouais, y a petit. Que... Non, Colossinge, y'a que chez toi que tu l'as. Hein. Aïe, 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 ça fait mal. Non, parce que je kiffe trop. Toi, moi. T'as qui alors? À la place de Colossinge ouais. Enfin, de Ferrosinge du coup. Ouais, de Ferrosinge. Écoute, j'aimerais bien te dire. Pierre Fabek. Bah, peut-être j'ai un Pokémon qui évolue deux fois. Non, une fois, non? Un peu cool. Un peu ah, cool. Tant à cool. Pareil cool. Non, je sais pas qui cool, les Pokémon, on a tous les mêmes, je crois. Oui, non, Titar, oui. Peut-être. Titar. Ah, j'ai. Ah, j'aurais pas Titar. Peut-être, hein, je sais pas. Allez, cogne-toi. Oh, il a colère. Oh, il est vénère. Il est vénère. Ok. Bam. Ah, Tignon, il est pas mauvais, hein, franchement. Ah, t'as Tignon? Ouais. Tignon. C'est Saitama. Saitama, tu l'as appelé? Bon, en fait, non, je l'ai appelé One Punch Man. Parce ouais, que. Ça, manga, oui, je sais, c'est le nom du manga. Mais en fait, vu que c'est. Donne des coups de poing et tout, j'ai trouvé ça plus. Non, mais Saitama, c'est. Ah, c'est le héros, tu ouais. T'as laissé quoi? T'as laissé One Punch Man? Ouais, j'ai laissé One Punch Man. Bon, c'est pas grave, non, ça vient aussi. Après, Saitama, c'est le héros, ouais, mais vu que ouais, c'est ouais, vrai. Ouais. Toi ne connaissant pas le manga, tu t'es dit c'est plus facile à comprendre One Punch Man que Saitama. C'est sûr, non c'est vrai. J'ai trouvé ça plus logique avec le punch en fait. Je voulais le punch oui. dans le nom. Bon, là je descends à l'échelle. Ok. Ok. Ah j'ai putain, un objet. Mais il court après. Putain, oh 5 Befframbi argenté. Il y a des Befframbi argenté. Ouais. Enfin oui. Putain. Je vais faire agresser par des magmars les potes. Bon, moi c'est pratique hein, dès que je le chasserai, il viendra vers moi. Ça, alors attends, je vais me soigner.
Bon, on va aller dans le trou. Hein. Lui, il parle d'échelle, regardez. Moi, je vous dis. Il n'y a pas d'échelle. Moi, je vous dis, il n'y a qu'un trou. Ah, si, il y a une échelle, t'as raison. En fait, à l'époque, il n'y avait pas d'échelle, du coup. Non, à l'époque, il n'y en avait pas. Je pense que c'est là où on tombait. Sauf que c'est moins logique, c'est vrai, de tomber dans un. Enfin, ouais. Après, je suis même dire ça, mais dans les îles aux écumes, enfin, les îles écumes, on tombe aussi. Mais on tombe dans l'eau. Quoique. Oui, c'est vrai. Ouais, je suis pas sûr. Bon. Après, on peut s'imaginer que là, c'est délabré, on se dit que c'est un étage, ça peut le faire en sautant. Ouais. Ouais. Oh, putain, électrode. Ah, bah, on fait le même. C'est bon, on est au même endroit. Ouais, du coup, ouais. J'ai osé sauter. J'ai aussi sauté. L'erreur. Allez, pas qu'il explose, il explose pas. Ou alors, on va dû mettre sur ossature. Parce que j'aurais dû parier qu'il explose. Et... Pour moi, il explose pas. Il fait tonnerre quand même, il est pas bête. Ouais. Et maintenant, il exploserait ? Non, moi, il est. Parce que maintenant, il exploserait. Allez, je switch. Allez, je switch. Sur non, moi, je pense pas qu'il fasse. On prend le pari. Pour moi, il a que destruction pour pouvoir me toucher. On prend le pari, les potes. Galio, c'est une paye pizza si ça se passe comme ça. Ah ouais, c'est ça, ouais. Météor, météor. Bon, ça va. On était dans le bon. Ah, donc bon du coup, truc. J'ai gagné une pizza. Hein. C'est Il note. Il a rien. Ouais, non, il a rien, évident. Non, mais il est con. Il croit que j'ai le talent qui attire les. Tu sais, la ceinture d'Alola, il peut avoir. C'est quoi le talent là ? Paratonnerre, mais. Ouais, paratonnerre. Mais il n'y a pas de talent, c'est pour ça, il c'est croit, pas logique. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'on n'a pas de talent, mais dans le code, on a quand même les talents codifiés, tu vois. Du coup, ils sont perdus. Non, je pense pas. Enfin, je sais pas. Est-ce que un jour ils vont faire genre, une mise à jour dans le jeu en disant. Je sais pas, les talents sont dans le jeu. Non, je pense pas, ils l'auraient mis depuis le début, ça leur coûtait rien. Ouais, c'est vrai. Non, ils ont. Écoute, vraiment. Je pose des questions. Peut-être. Bon, bout de feu. Il fait tellement mal. Oh, ça tue, mais c'est une brute épaisse. Par contre, je prends tellement cher. T'es contre gros. Oh non, pas les liputes. Ouais, voilà, ben voilà. Ça, c'est ce l'attaque qui de. En ce moment. C'est ce qui t'arrive. Ben ouais, j'arrive plus à toucher. Oh non, il est vite. Non, mais bah arrête. Voilà. Oh, il est la bomberk. Bomberk aussi, il est mon poison. Mais c'est quoi cette non-chatte? Résiste. Ah non. Alors, allez. Ouais, mon Pokémon, il a résisté à un PV, mais vu qu'il était empoisonné, bah. En fait, il a résisté par l'amour, tu sais. Mais du coup, ça servait à rien parce qu'il est mort du poison. C'est pas grave. Allez. Tu resteras dans mon cœur. Tu vas le relâcher. Allez, tunnelier. Ouais, c'est bon, j'ai touché, yes. Bon, il a fait deux fois. Hein. Non, moi une fois. Mais ça a suffi pour faire paniquer Ossature, t'inquiète. Tu vois qu'il a un casque devant les yeux, il voit pas trop. Tu lui rajoutes une. En plus, Lidiput, je trouve que c'est même pas une attaque qui irait à. Je comprends pas. Ça va tellement pas à Grotanmorph, quoi. C'était qui? Ah oui, c'est le même, je comprends. Bah. Oui et non, après, il est. C'est un tout flasque. Ah, oh, pierre-feu, c'est bien ça. Tout flasque, quoi. Oh, il y a des téléporteurs. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est que ça, une petite fille? Ah non, ça c'est pour sortir, hein. Fais gaffe, fais gaffe. Tu veux connaître un raccourci si tu marches sur cette plateforme? Tu te crois direct à la sortie. Oui, voilà. À l'époque, il y avait juste une sortie, je crois, comme ça. Ouais. Ah, non, on se retrouve maintenant à l'étage où il y a les soi-disant métamorphes. Peut-être qu'il y a les métamorphes. Ah non, attends. Oh, ça change un peu. Je oh jouais pas comme ça. Putain, c'est super bien fait. Je jouais pas si vert. Non, c'était pas. Ah, il y a encore le pillard. Ah, le livre. Rapport du 1er septembre. C'est vrai? Ouais, ah, super. Mewtwo est beaucoup trop puissant, il est devenu incontrôlable. Ha ha ha. Ah, y'a Bomberk. Avec non, c'est moi qui l'ai. Ah, ok. Je me suis dit, le gars il se fait un petit kiff et il écrit. On est tous morts. Et mais voilà. Quand on regarde finalement. Mince. Oui. Je sais plus ce que je voulais dire. Tu veux parler de Mewtwo et de parce que le manoir. Oui, oui. Par rapport à. Dans le film. Ouais. Il ressemble pas à ça en fait. Le manoir dans le labo. Dans le labo. Le labo, ouais. Quand ils ouais. Ils ont ah un peu si, changé. Attends. Attends. Si tu vas tout à gauche, enfin, en haut à gauche, il y a un truc de labo. Et visiblement, ça serait là. Mais il y a quand même pas mal de combats. Oh, il y a des lits et tout. C'est lugubre. Bon, bah, ça sera l'épisode ici au manoir. Je vous dis ce qu'il m'a dit, Galius. T'inquiète, ça ira vite. Non, j'ai dit vite l'arène, par contre. Ah, la reine, dit, ça, ouais, le manoir, bon, ça dépend si on répond juste aux questions, effectivement. Mais est-ce que c'est le but de répondre juste aux questions? C'est genre,
Le pillard ou pas? Ah là, t'as raison, là il y a un espèce de truc. Ouais. Ah j'ai rien dit, alors j'ai rien dit, je retire ce que j'ai dit. Mais du parce coup, effectivement, dans le film, on voit bien que c'est sur une île, donc c'est clairement que le Brésil, mais. Ouais. Mais après, ouais, non, j'ai mal vu, alors effectivement. Alors peut-être qu'ils l'ont rajouté ici. Il y avait ça à l'époque? Il me semble pas. Hein. Je crois pas, hein. Non, non, le sous-sol était. Bon, je me fais pillard hein, parce qu'il m'a vu. Oh, rouge. 4 Pokémon, mais non. Mais non. Bon, je suis pas le pire. tu peux le l'éviter, ouais. Bah là, je fais le scientifique et la Electek. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais vu encore. Il est très joli. Oui, non, j'ai jamais vu. Mm-hmm. Effectivement, à l'époque, c'était. Quoi, la one shot? Oh, bah t'as même l'histoire. Il est beau. À l'époque, effectivement, Electek, il était que dans. Ouais. Alors. Bleu. Dans rouge ou bleu? Ouais, voilà, dans bleu. Je pense bleu. Parce que Magmar, rouge, c'est très plus logique. Ouais. Comme Goupix c'était dans bleu aussi. Ouais. Et Kaios dans rouge, d'ailleurs. Et Mystère et Chatifleur aussi, je pense. Je pense qu'ils ont gardé en fait cette histoire de. Ben. Du coup, non, parce tous. Que là en. Non, Colossin, j'ai l'impression qu'il y avait dans les deux. Hein. Là, je suis déçu. Non, je suis déçu. C'est genre, les gars. Non, j'ai trop kiffé l'épisode à l'époque avec Sacha, tu sais, qui va voir le Ferro-Singe et l'évoluer et tout. Enfin, c'est trop bien. Avec le Ferro-Singe. Oui, oui, oui. Ouais, il prend, il a la casquette et tout, à la fin il évolue. Ouais, non c'est à la vrai. Fin il évolue, il me semble. Oui, oui, oui. Et il le prend, quoi. Donc, enfin, c'est stylé. Moi j'avais kiffé. Et suite à cet épisode, je crois que c'était l'épisode où c'était avant, je sais plus. Il y avait l'épisode avec le manoir, justement, le hanté, là. Avec ah, Spectrum. Ouais. Ouais. Et Salamèche qui avait trop les boules, enfin c'était trop stylé. Ouais, non, c'était stylé. Puis après, il y avait l'âme de Sacha qui volait avec. Ah oui! Avec Spectrum, je crois. Enfin, c'était. Ah non, mais certains épisodes des premières saisons, les gars, il y avait quand même des choses. Il y avait des choses qui étaient réfléchies. Hein. Pas toutes, pas toujours. Oh, mais on a la machine qui. Oh, mais c'est énorme! Il y a la machine de Mewtwo. Ah, il y a vraiment la machine de Mewtwo? Ouais, la paroi intérieure est tout abîmée comme si elle avait été martelée. Oh, alors là, ah, par contre, c'est hyper bien fait. Hein. Tu verras. Ok, je vais cliquer. C'est. Enfin, c'est hyper bien fait. Si, c'est bien fait. Ça, ça a été dans le premier. Ils ont bien fait le truc, quoi. Ah, ouais, clairement. Et après, il y a le truc des machines et on obtient la clé secrète. D'accord, ok. Oh, métamorphe! Oh! Bon, on va voir s'il peut se métamorphoser. Enfin, si. Ouais, mais du coup, c'est dangereux. Oh, la taille maxi! Il est gros, mon cochon! Effectivement, on peut donc avoir un petit métam. Oh, par contre, il est dur. Il est chaud à capturer? Oh, il saute comme. Mais enfoiré! Oh, il saute partout! Oh non, il peut pas se transformer, je suis con! Il y a pas de Pokémon. Du coup, il gigote un peu comme un truc tout flasque, quoi. Enfin, c'est marrant. Ouais. Ok. Métamorphe niveau 45. Écoute. Ah ouais, chasser métamorphe. Pour en faire des bébés. Ah ouais. Et non, tu peux pas du coup. Ouais, ah, maman en shiny est joli. Ouais, il est trop beau. Alors, je vais monter là-bas haut. Essaye de le trouver, ouais. Ah merde. Du coup, je vais essayer de bah, il est là. Ah oui, il est tout petit. T'as cliqué sur l'interrupteur? Ouais, à moment. Bah, tu verras, à un moment, si t'es bloqué, tu vas appuyer sur l'interrupteur, ouais. Quoi. Allez, c'est parti. Oh là là, il saute super loin. Qu'est-ce qui lui arrive? T'as vu, il saute comme une balle de caoutchouc. Alors attends, c'est où que t'as vu? Oula, j'entends un bruit. T'as cogné un truc? Non, c'est moi qui me suis énervé. Ah, je supporte pas quand j'envoie d'un côté et que ça va de l'autre. Mais t'as fait la technique d'Armand là? Ça marche. Ouais, mais ça. Moi, bof. Non, mais sans le faire avec la tête. Genre, mais balance vraiment ta. Mais. Ta manette à droite, vraiment à droite, vraiment. Si c'est à droite ou à gauche, vraiment à gauche. Genre, exagère ton geste, comme si t'exagérais le geste, tu vois. Franchement, ça marche. Ah ouais, ouais, c'est bon. C'est bon. Pas besoin de faire le dab, évidemment. Hein. Ça ouais, ouais, ouais. Voilà la tête au bout d'un moment. C'est ça la machine, effectivement. C'est une grande capsule en verre épais. Je pense qu'il est pas. Il est pas abîmé. Ils disent qu'elle est abîmée, mais elle est pas abîmée. Le verre, ouais, genre non, le je verre, sais pas. Pas. Il aurait dû le craquer. Par contre, on voit que c'est tout le bordel ici, ouais. Effectivement. Et là, c'est quoi, l'ensoleil? Ah non, clé secrète. Okay, l'ensoleil juste avant. Ouais. Et du coup. Ah, du coup, ok. On fait quoi? On sort d'ici? Bah, on sort, ouais. Ok, on va voir le téléporteur. Ça se trouve, il y a l'ensoleil à la sortie. Hein. Attends. Ah oui. De l'ensoleil, c'était avant, en fait. Mais ah, mais il faut remonter, du coup.
Ah ouais, je prends une corde sortie. Ah, tu prends une corde sortie? Ouais, ça pue vite. T'es sûr que tu vas pas... Bon, okay. Ben, il va nous mener. Ah, voilà, c'est là. Parfait. Bah écoutez, chers amis, chers auditeurs, chers viewers et chers abonnés, sur ces belles paroles, wow, et ce manoir et ces Mewtwo et ces Mew, bah on va vous laisser là-dessus. Eh oui, et on se retrouvera en duo pour l'arène. Ah, l'arène, tout tout flamme, évidemment. J'ai hâte de voir Auguste. Allez, ah ouais. Je vais voir son design, quoi. Ah, puis avec ses Pokémon aussi. Ah bah oui, oh, ça va être trop stylé. Ouais, bah du coup, ne manquez pas le prochain épisode, donc il sera demain alors. Demain, on sortira ça, ouais. Demain, prochain épisode avec la reine de Cramoisil sur nos deux chaînes. À demain. Ciao. Ciao, ciao.